Salut à tous les amis, c'est Maxime, on se retrouve sur Création Cubique saison 3, bam! Et je suis avec le roi Barat... pardon, Robert Baratheon. Et oui, c'est moi, je suis le roi des 7 royaumes de Game of Thrones. Oui, nous sommes fans de Game of Thrones. Aucun respect. Et le roi Robert Baratheon a son valet Astérix. Salut Astérix. Astérix est là. Ça fait mal, ça va conner la bagarre. Astérix. Je m'en fous, j'ai une barbe plus proéminente que toi, mon gars. Bim, qu'est-ce que tu Thor. Bah non, ouais, Astérix. Bah Thor c'est plus stylé, mais ouais, t'es pas stylé, donc t'es Astérix. Bon bah Astérix. Bon bah je suis qu'une merde. Salut. Moi je suis le roi de Geoffrey, mais avec un peu plus de barbe et de charisme. Oh putain. Et en tous les cas, content de vous retrouver pour cette création cubique comme d'habitude, les amis. La création cubique. Donc là, alors, saison 3, c'est l'épisode 9. Ouais, idée. 9. Putain, déjà. Putain, mais les mecs, on suit pas quoi. C'est déjà l'épisode 9, les amis. Et il faut vous dire que cette création cubique est bientôt terminée. Et est-ce qu'on aura déjà parlé du futur projet? Non, je crois pas. On peut leur en parler dans cette vidéo. Oui, clairement. Je te laisse en parler ou je fais, on va dire que. Bah, disons que c'est toi qui a voulu faire. Bah, hein. Écoute, je vais. C'est quoi dire, je vais en parler vite fait, puis tu rajouteras ce que tu as à dire dessus. Sachez que la création cubique, déjà d'une part, c'est un projet qui nous a fait extrêmement plaisir. Mais on s'est rendu compte qu'avec le temps, ça commençait à s'essouffler un petit peu, les vues persistaient, parce qu'apparemment vous êtes toujours présents. Néanmoins, on commence à plus avoir trop d'idées, du moins elles sont un peu trop enfouies, on sait pas trop comment faire et tout. Du coup, on a décidé quelque chose d'absolument incroyable. La création cubique va disparaître. Voilà. Donc là, déjà, on voit tous les gens qui pleurent derrière leur écran ou pas. Hein. On sait jamais. Ce que je pense qu'il est, je sais pas. Peut-être que vous en battez les couilles ou peut-être que vous avez le seum. Je sais qu'il y en a pas mal qui aiment la création cubique, mais de là à pleurer, ce serait chelou. Ouais. Mais en tous les cas, voilà, rassurez-vous, il y aura toujours du Minecraft avec Maxime et Kylian. Ça, c'est quelque chose d'hyper ouf, parce que bah finalement Minecraft c'est le premier truc qu'on a fait sur la chaîne, enfin ensemble. Création cubique. Ouais bah ouais, la création cubique c'est le premier projet qu'on a eu ensemble. Après on a commencé des séries ensemble, Maxime a commencé à faire ses let's play tout seul et tout. D'ailleurs The Unfinished One c'est le bien. Donc regardez cette série les amis, c'est formidable. Voilà, placement de produit, mais j'en ai rien à foutre. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, la création cubique sera remplacée par un nouveau projet que j'ai appelé et que Maxime a accepté. Voilà, putain, comment je cherchais mes mots. Je sais plus en fait. Merci mon valet. Merci Astérix. Astérix est là. Et donc, on a décidé de l'appeler Project City. Donc, ce qui veut dire en anglais. Quel Minecraft, pas tranquille. Le projet ville. Ce qui est dégueulasse. La ville projet. Le projet ville. Le but de cette série, ça va être d'avoir une map qui sera pas en super plat. On va prendre une map. Donc on va essayer d'avoir la meilleure génération de map possible, même s'il faut en recréer plusieurs fois. On va essayer d'avoir la meilleure génération de map possible. Et on fera des créations dessus, maison, building, peu importe, en fonction de nos idées, de nos envies. On espère que vous serez nombreux à nous suivre dessus. Parce que tout simplement, cette série, ça sera un peu comme la création cubique. Ce sera plein de créations cubiques qui seront rassemblées en une seule, en plein d'épisodes. Il n'y aura pas de saison dans ce Project City. Ce sera une seule aventure qu'on fera en je ne sais combien d'épisodes et qui nous prendra un temps monstrueux, mais en même temps, avec ce qu'on fait sur la création cubique, ça nous prend déjà un bon gros. Ça nous prend déjà un max de temps, donc à la limite, on n'a pas une différence de ouf. Qu'est-ce que tu fais, Maxime, pendant que j'explique à nos amis? Je fais des choses. D'accord. J'en ai aucune idée. J'ai l'impression que le son.
est vachement fort. Je pense pas que ce soit le son qui était vachement fort, mais je crois que c'est le son du casque qui est un peu fort. Qu'est-ce que tu fais? Bah oui, tu peux faire moins si c'est pour péter la muraille. Mais t'inquiète, hein, je vais réparer la muraille. Fais ce que t'as à faire. Tac. Voilà. Donc voilà, on va créer Project City. On espère que ça vous plaira. Et puis, que vous nous suivrez, comme sur la plupart des aventures qu'on fait. On est très content d'ailleurs. On a presque atteint les 50 abonnés. Ça c'est plutôt cool, ça avance très lentement mais ça avance. Comme on dit, ça avance. Bon train. Voilà, ça avance lentement mais sûrement. Tu veux que je commence à mettre le truc au milieu? Ouais, tu mets. Alors comment ça s'appelle? C'est la pierre blanche, c'est ouais, ça? C'est ça, de... c'est ça. C'est la pierre de l'Ender. La pierre de l'Ender. Waouh, what the fuck? Pierre blanche. Il y avait déjà un truc. Donc voilà, tu peux rajouter ce que tu veux mettre sur ce projet, ce que t'en penses, ce que t'as envie de faire dessus, enfin peu importe. Cette well. Éloquence. L'éloquence d'un Maxime, les amis. Non, t'as rien à dire. Vraiment con cet homme. Le pire c'est qu'il rajoute pas, il a vraiment rien à dire le con. Putain, moi je passais 5 minutes à vous expliquer le projet, le mec il fait comme un mongol. Non, par contre sachez que mais ta gueule, putain. Tu m'as déjà vu rager Maxime contre des PNJ, tu peux très bien sortir une épée en diam sans vrai et te planter avec. En vrai, alors là. Ouais, non, bah, parce que. Je demande à voir. Ah bah, j'ai des diams dans ma chambre, alors tu me crois. Bah, voilà, ferme ta gueule. Le mec, il pèse. Bah oui, mais l'argent des abonnés, mec, tu crois, il va où? Dans les diams. L'argent des abonnés, mon gars. Déjà, je gagne même pas. On a même pas 50 abonnés, alors tu vois. Ouais, c'est trop ça. Par rapport aux vues, tu sais, donc forcément. Quand tu vois qu'en un mois, je vais. 100 vues, je pense, en tout. Ça gère, on va dire. Ça gère la fougère. T'es sûr que c'est la même? Mec, t'as fait trop grand. Alors attends. J'ai fait trop grand de quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, y a pas de respect, ouais. De ce côté, il y a 11. Ouais. Je prends pas les coups. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mec, il y a carrément pas la même chose. Casse tout! Donc il y a 8, 9, 10. Je pense que c'est ici qu'on va faire. Netherrack. Donc comme je le disais les amis, sachez que bah, des séries de Maxime et Kylian, il y en aura toujours. Donc sur divers jeux, on a déjà prévu la plupart des jeux qu'on voudrait faire. On vous en a déjà parlé et tout. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le rappeler. Et puis, bah, peut-être que la chaîne va se recycler en... Va se recycler. C'est dégueulasse comme terme. Se recycler. Peut-être qu'on on va dire qu'on va... qu'on va se centrer sur des jeux indépendants. Puisqu'on aime beaucoup ça. On aime l'originalité de la plupart des jeux indés. Donc il y aura des let's play de Maxime, des let's play de moi... comme d'habitude, et des let's play coop. Et donc, il y aura aussi des jeux d'horreur. Donc, en gros, cette chaîne, maintenant, ça va devenir vraiment du Minecraft, parce que bah, y aura nous deux sur Minecraft, comme d'hab. Ah, c'est le craquage. Il y aura Minecraft comme d'habitude, et il y aura bah, des jeux d'horreur et des jeux indés. Et parfois même les deux en même temps, hein, des jeux indés d'horreur. Genre White Knight ou Daylight, par exemple, que j'ai prévu de faire. Quand j'aurai l'argent. L'argent des abonnés. L'argent des abonnés. Non, parce les que... il faut le dire. Pour les abonnés. Il n'y a qu'à voir, en fait, le peu de jeux... on va dire, des grosses licences que j'ai commencé. Je les ai pas finies. C'est-à-dire que Alien Isolation et The Evil Within, j'ai abandonné.
Même si je les ai finis de mon côté, mais je veux dire, j'ai abandonné parce que c'est des jeux qui prennent beaucoup trop de temps et qui sont pas agréables à faire en vidéo, du moins pas avec le temps imparti, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je ne fais pas ça. Bref, j'ai beaucoup trop parlé. Maxime, prends le relais, s'il te plaît. Alors, il reste 3 minutes 40, je te laisse parler de ce que tu veux. On fait... je vais parler de ce qu'on est en train de faire, justement. On est en train de faire un terrain de Death Volley. Donc genre un terrain de volley de la mort. Hop là. Tu mets... Attends, tu mets... Je mets du fire. Fire. Pif. Paf. Pouf. Ça va finalement le terrain de Death Volley, c'est passé tranquille, hein. Moi je croyais que ça prendrait peut-être deux épisodes, mais peut-être un peu sur le déco, non? Down the Death Volley. Ensuite, tu prends ça. Je m'en bats les couilles, j'en mets ça. sur le déco. Non, prends pas sur le déco, ça en fait trop. Non. Bah je t'ai dit ça en fait trop, rien. Le feu. Ça en fait trop. Non. Le feu. Il non. Faut du feu. Tu casses les couilles. Je sais. Nah. Comme toi quand je te demande de parler de notre projet et que tu me fais de comme une sorte de mongol. Par contre c'est normal. Allez fuck that. Le feu. Le mec qui veut trop de feu. J'adore le feu. J'aime le feu. Le feu, c'est la vie. Et bah voilà! Un petit terrain de Death Volley. Mais c'est pour ça que c'est différent en fait. On n'a pas le cerveau. Je pense qu'il fallait décaler encore d'un. Le feu! Ah, du feu! Attends, mec, qu'est-ce que. J'aime le feu. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce mec? Je fais des gradins. Ok. As-tu compris, mon ami? C'est pour ça que tu mets du feu dessus, comme ça les gens ils peuvent pas s'asseoir. Du feu! Non, parce que en fait c'est des cages. C'est des gradins cages. C'est-à-dire que le mec il paye sa place pour faire ça. On est un peu derrière un manoir, ça, donc du coup. Ça. Voilà. Fuck. Mais non, mais reste dedans, c'était bien. Ok, connard. Le connard. Bon alors on va peut-être revoir la rage d'un Kylian comme dans le précédent épisode. Ah nique ta race. T'es bloqué FDP. Ouais, mais de toute façon les villageois je voulais de base des zombies mais ça marchait pas. C'est mieux les villageois comme ça, on a plein de prisonniers. Je vais faire la même chose. T'as fait à combien de ce côté? Alors attends, il faut barreau et netherrack. T'as fait à 2. Ouais, 2. 2. 2 quoi? 1, 2, hop. Ah, 2. Hop, 2. Hop. Donc attends, ça casse ici. Voilà, nickel. Nickel. Nickel, Michel. What? Michel. Forever tonight. Oui, c'est moi. Point. Michel. Oui. Moving in the night. Je suis Michel. Michel. Ça me stresse parce que mon deuxième prénom c'est un peu Michel du coup. Un coup de téléphone. For you forever. For you forever. Et ben en tous les cas les amis, c'est sur cette chanson merdique que nous allons nous arrêter. J'espère que cet épisode vous aura plu. Ça fait trop pisse. Ouais, comme d'habitude, et puis commentaires, pouces bleus et tout. Pouces rouges. Non. Je vous hais tous. Continuez à nous suivre, les amis. Pouces rouges. Et à la prochaine. Maxime, le mot de la fin. Pouces rouges. Allez, à plus, les amis. Tropis sous les amis.